Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir à toutes amis Internet. Bonjour, bonsoir à toutes amis Facebook, YouTube, spécialement amis et On TV. Nous, pas bien suspendre, remercier nous parce que c'est nous-mêmes qui toujours supportons nous, malgré des fois qu'on a des petites divergences entre nous-mêmes, mais ça n'a pas empêché nous toujours supporter nous et nous disons grand merci avec nous toutes qui toujours supportent nous, qui toujours aidez-nous, commenter, partager. Et si, eh bien, des débats que vous faites, nous aidez-nous faire des débats. Nous disons un grand merci pour ça. Et nous profitons, voyons, gros excuses pour chaque monde qui t'a trouvé vidéo à pas t'intéresser. Vidéo qui t'a parlé de Dimitri Vob, côté moi-même, t'ai choisi. T'ai fait un coup de pied. Et vous m'avez fait nous, eh bien, dans une prison côté Dimitri Vob, t'ai même t'ai pensé. Et nous t'a apprécié lui, mais malheureusement, mais ça pas problème, c'est comme ça, c'est fanatiquement, c'est famille nous, et nous avons des petites divergences, mais nous pas en compte pour ça. Et bien, moi, excusez-moi avec chaque grand monde qui passe jeune plaisir par vous dans la vidéo. Merci en pile, parce que nous t'ai dit ça et nous t'ai pris note. Merci en pile. N'a pas entré en dans information qui nous pour nous, sans perdre du temps. Et nous connaissons Dimitri Edouard Alberto Vob, qui c'est Dimitri Vob, et qui c'est un et propriétaire et sojourner. Et bien, citoyen ça, que nous songeons, et semaine dernière, que, eh bien, immigration dans le pays États-Unis a arrêté citoyen ça. Eh bien, information qui fait tomber, Dimitri Vob, lui, joint libération, lui, citoyen libéré. Dans le moment où on a parlé, eh bien, Dimitri Vob est libre pour circuler dans le pays des États-Unis. Et mais nous reconnaissons, est-ce qu'il y a un recours, est-ce qu'il y a un autre dossier de ça? Mais ce qui est comme information, c'est que Dimitri Vob, monsieur libéré, et l'information qui vient de nous, c'est que monsieur lui est arrêté pour question papier, d'après information nous gagnons qui vient de nous. C'est avec immigration. Eh bien, Dimitri Vob, lui-même, il a eu un problème, mais il n'a pas jamais eu pièce problème qui a un rapport avec le gouvernement haïtien, avec l'État haïtien. Il n'a pas eu pièce et problème qui était confronté de l'autre bord dans le dossier, si là, d'après information que nous-mêmes nous rejoignons. Et nous songeons, c'est même question ça qui fait Internet là chauffer. Eh bien, écoutez. En pile monde te fait connaître que Dimitri Vob très bientôt il a déporté monsieur pour venir joindre l'État haïtien pour capable répondre question sur ça l'État haïtien reproché surtout dans question et faux contrat qui fait avec Sojourner avec matériel EDH qui eh bien et d'après ça l'État haïtien fait connaître côté même Dimitri Vob a touché dans l'État avec matériel l'État qui n'a même côté eh bien c'est à préval avec Madame Rival qui t'a fait, j'en dis, faux contrat ça yo, et Madame Rival, c'était yon nan, et moun qui responsable question sous Genève. Et eh bien, nous connaissons ça qui te fait pile parler en pile là, dans la question Dimitri Vobla, c'est, eh bien, lettre ça, Monsieur Dicamel, qui c'est commissaire gouvernement, qui te voye lettre là-bas Interpol, côté Rwanda, pour yoter. Eh bien, qu'importe côté, il y a eu Dimitri Vob pour yoter Maril Concrab mené dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est depuis après ça, nous songer et puis, gouvernement américain est arrivé à arrêter Dimitri Vob. Eh bien, ça qui t'est venu faire en pile parler, il était passé, eh bien, Dimitri Vob lui-même, il t'a déporté dans le pays d'Haïti. Et comme ça, tout, il y a des gens qui t'ont fait connaître que. Et bah c'est un pile monde tande gros émission dans le pays d'Haïti côté un pile monde tande et dans matin débat côté et journaliste qui te dit que eh ben Dimitri Vob monsieur t'as semblé monsieur c'est américain faut que moi dis faux Dimitri Vob c'est un haïtien d'après tout papier eh bien descend li doit pas li n'a pas haïtien descend mais papier dans men yo c'est haïtien monsieur et faut que moi dou monsieur te gen possibilité tout pour te américain. Parce que madame monsieur petite li c'est l'autre boyer madame monsieur c'est américaine et petite monsieur c'est américain yoye. Ça veut dire monsieur lui-même il était une possibilité tout s'il te voulait il était américain mais nous connaissons, les nèg yo a fait business non pays tant qu'au Haïti si toute façon nèg yo fait yo pas gain intérêt pour yo américain gain gon bagay tout les ou nèg ou c'est américain ou al investi ou fait cob dans l'autre pays
Comment faire dans l'autre pays? Non seulement à pays quand on va faire business, on va rentrer comme là. Et dans même comme ça, on fait dans notre pays, on gagne un pourcentage qui est payé, eh bien, l'État américain. Ça veut dire que c'est une raison qui poussait, eh bien, citoyen ça, il pas jamais intéressé pour l'État américain. Mais est-ce que, parce que tout côté de checker sous Chrome, sur Internet là, eh bien, nous pas jamais à côté de ces gros papiers qui est dit lycée américain, c'est ça fait nous-mêmes, nous gagnons. Et pour devoir pour nous dire non, monsieur pas américain. Eh bien, faut que moi lis lettre ça qui te mettait pays à chaud, qui te pensait que c'est lui-même qui était derrière Dimitri Vob, et nous songeons, Liane Pierre-Paul, quand elle te dit, eh bien, bois Jovenel Moïse, li long en pile, s'il est arrivé, fait coup, beaucoup de filets ça sous Dimitri Vob pendant le pays les États-Unis. Mais malheureusement, en pile monde dans le pays, hein, yo a véhiculé des informations en tant que gros journaliste, moun ki passe des présentations, même yo kite fanatisme pote yo ale, yo kite question fanatique la pote yo ale, au lieu chercher information, au lieu bay sak vérité a, mais faut que yo mette yon bagay là-dedans, et bien pour yo capable et faire population comprendre yon l'autre bagay. Parce que c'est une bagay qui fait et gen des moun nan peyi a ki perdi valeur. Non, valait qu'il gagne, mais ça va inquiéter. Et d'un coup, on forme d'un coup Liane Pierre-Paul, son gros bout de ton forme, et on moun à respecter dans la société. Amen. Et m'basse, c'est information, yon gagne information, ou bien yon pas de chercher information. Mais l'effet que yon connaît la question politique là, yon tout obligé de mettre politique. Mais faut que moi éduque, dans le pays d'Haïti, mais yon prend ça pour défaut, ou regarder, gagne des nègres qui gagne. Question pour y répondre à la justice, yon tout dit ou c'est politique. Ça veut dire ouais, yon pays, pour Haïti, nous la difficile pour question justice là, lui-même dit, et fait dans le pays. Si c'est Haïti, Dimitri Vob te arrêté, m'pense, t'as gagné combien de machines qui brûlent, t'as gagné combien de prisons brûlées, t'as gagné marché, t'as gagné marché brûlé, parce que c'est une force, c'est comme ça que yon cherche à régler question avec la justice. Dans le pays d'Haïti. Ça, je pense que c'est un bagage. Et il faut que nous, tout le monde, nous obligés de prendre note de ça. Il faut que nous prenions note de ça pour nous changer. Et j'en des bagages ça. Eh bien, qui ça, le commissaire gouvernement lui-même, lui a dit qu'il peut mettre un pile de monde et à véhiculer des informations qui sont réelles, comme quoi, eh bien, c'est le commissaire gouvernement qui fait arrêter Dimitri Vob. Et. Premier ministre joue tellement intelligent, le connaît, c'est pas ça. Il te gagne fait déclaration pour lui dire ces questions avec ça va gagner rien pour le avec question gouvernement haïtien. C'est Dimitri Vob qui connaît qui problème il gagne avec immigration dans le pays les États-Unis. Mais qui ça et commissaire gouvernement pour moi, si pas gagne et joindre si pas gagne connaît ça commissaire gouvernement Dimitri de côté en pile monde fait quoi que eh bien lettre ça que commissaire a dévoué par Interpol là il pas fait non norme légale qui fait lui-même il pas respecté et c'est pas commissaire gouvernement te gain pour devoir pour te faire eh bien pour te signatir sur lettre ça côté au niveau international pour mettre Dimitri Vob dans la code qui porte côté il était qu'à joindre eh bien commissaire gouvernement a pas qu'à Port-au-Prince là et monsieur Dicamel Gabriel monsieur t'a écrit et service immigration pays États-Unis pour mandel chercher et puis vous retourner dans pays dans la coupe pays d'Haïti citoyen Dimitri Edouard Albert Vob pour lui venir répondre question la justice haïtienne et bien dans même lettre ça à côté chef parquet AIA fait immigration Kaiton ton blanc connaît que Dimitri Vob c'est un fugitif ça veut dire c'est un nègre qui parti pour pas prendre code la justice là pour ne pas répondre question la justice là le caché caillou depuis plus passé 6 mois avec un visa touriste nan men ça qui violé loi pays États-Unis et eh bien parce que ça c'est une bagarre qui est essentielle dans l'autre côté eh bien commissaire gouvernement lui-même il était voyé et by Interpol côté en pile monde et homme de loi yo fait connaître eh bien critère yo pas respecté pour demander ça a été fait et en pile monde dit si
américain t'a entré dans la logique ça, eh bien, yo c'est des corrompus, même gens avec moun qui t'a signé document ça. Bref, et cette information ça m'a voulu partager ensemble avec nous sous Dimitri Vop. Dans le moment où on a parlé, à Dimitri Vop libéré, il s'est libéré. Et si gen, et l'autre information qui vient, nous-mêmes nous toujours là pour nous capables de chercher et pour nous porter pour vous. Nous disons grand merci avec vous-même qui toujours supportez nous. Toujours rester connecté ensemble avec nous. Nous-mêmes, nous avons fait le maximum pour nous satisfaire. Merci.